Salut tout le monde, c'est Captain34, j'espère que vous allez bien les amis, et je vais très très bien. Et on se retrouve pour la dernière vidéo des nouveautés de ce FIFA 16 les amis, et de plutôt de ce FUT 16 pour aujourd'hui. Et ce sera le mode FUT, donc qui va regrouper le nouveau design des cartes, les légendes et le mode draft. Donc j'ai beaucoup de notes, donc ça va durer très 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 longtemps à mon avis, cette vidéo. Donc à mon avis ce sera la vidéo la plus longue. Donc EA Sports a annoncé, enfin c'est plutôt Xbox qui a annoncé, ou je sais plus. En tout cas EA Sports a annoncé, je vais dire mes notes, il y a quelques semaines, les nouvelles cartes officielles de ce FUT 16. Vous pouvez les voir actuellement les amis. J'aime bien le design de ces cartes. Les cartes franchement sont vraiment stylées je trouve. Donc à part les cartes non rares qui sont vraiment normales, les cartes or, j'aime bien le design, j'aime bien. Et je préfère de loin les amis la carte légende qui je trouve est vraiment splendide. Et les cartes informe et tout sont vraiment très très belles. Les cartes fut, les cartes record breaker est vraiment très très belle aussi. Mais 9 de match également, les cartes tots, les cartes toti qui seront en noir et bleu. Donc les cartes tots comme vous pouvez le voir, les tots en bleu et jaune, les bleus et argent et les bleus bronze. Donc ce sont les cartes les tots or, tots argent et tots bronze. Il y a également les légendes, la carte Coco Breaker qui est en noir et rouge. J'ai oublié de dire également la carte toti, même si je l'ai dit tout à l'heure, la carte noire et bleue. Donc la carte Man of the Match qui sera en orange, tout en orange. La carte verte donc de la Saint-Patrick. Les cartes spéciales des joueurs en bleu turquoise on dirait. La carte rose, donc la carte des futies. Et la carte des héros en violet. Donc voilà, il y aura aussi bien évidemment la carte informe, or, argent et bronze qui sont vraiment stylées je trouve. Et donc voilà, donc c'est vraiment des cartes vraiment stylées. Après ça ne sont que des cartes les amis, mais franchement j'aime bien, j'aime vraiment bien ce design de cartes. Ils ont vraiment fait du bon boulot là dessus. Donc on va parler les amis maintenant d'une autre nouveauté, ce seront les légendes. Donc les légendes seront encore une exclusivité Xbox malheureusement. Moi, j'ai la Xbox One et la PS4, mais j'aurais bien aimé que la que cette exclu soit Xbox, enfin qu'il n'y ait pas d'exclu, que PS4 enfin que les joueurs PS4 pourraient avoir droit aux légendes. Mais bon, c'est pas grave. Donc il y aura 8 nouvelles légendes. Ce sont Deco, Lidmanen, Gattuso, Zanetti, Best, Baia, Giggs et Nesta. Donc dans ces dernières légendes, il y a quand même deux joueurs qui jouaient quand même au foot ces deux dernières saisons, Giggs et Nesta. Donc après les autres je me rappelle plus trop. Donc la grosse nouveauté, la très très grosse nouveauté les amis, avec ces légendes les amis, c'est vraiment très très bien. Je trouve que c'est vraiment super bien de la part de EA d'avoir fait ça les amis. Donc je vais vous la dire. Donc la grosse nouveauté est que les légendes ont un lien orange avec n'importe quel joueur fut, avec n'importe quel carte fut. Donc ça c'est vraiment très très bien. Comme sur l'image que vous pouvez le voir actuellement, comme je la vois moi, il y a Varane, il y a Zanetti et il y a Messi. Donc en fait il faut que je retrouve mes notes, mais non. Donc voilà, Zanetti a un lien orange avec Varane et un lien vert avec Messi, car ils sont de la même nationalité. Donc en fait toutes les légendes maintenant auront un lien orange avec n'importe quel joueur. Et si, donc comme vous pouvez voir ici, si Zanetti est de la même nationalité que Messi, donc Argentine pour cette vidéo, enfin pour cette photo, ils auront un lien fort. Donc ça c'est vraiment très très bien, et on va pouvoir moins galérer pour faire nos équipes. Donc la nouveauté, cette nouveauté est pour moi géniale, car pour mettre des joueurs comme Agui, Laudrup, Stoïkov, Nedved, etc., etc., on était obligé de mettre deux légendes à côté. Les personnes qui n'avaient pas le budget ne pouvaient pas se permettre ça. Et maintenant, ils le
pourront le faire. Donc ça, c'est vraiment très très bien de la part de EA Sport d'avoir fait ça. EA Sport a aussi annoncé, tout comme Xbox, que tous les joueurs Xbox auront au lancement de FUT une carte légende en prêt gratuit pour 3 matchs. On connaît pas encore la carte légende, ce sera laquelle. En tout cas, on sait déjà qu'on aura une carte légende en prêt gratuit pour 3 matchs. C'est bien. Bon, après, voilà, si nous l'aurons pas offert, personne n'aurait crié. Mais c'est quand même bien qu'il fasse ça. Donc on va parler maintenant de la plus grosse nouveauté de ce FUT 16, c'est le mode draft, les amis. Le mode draft, c'est la grosse nouveauté. Le mode draft arrive dans FUT 16 en mode hors ligne et en ligne. Donc pour pouvoir participer à un de ces tournois, que ce soit hors ou en ligne, il faudra payer. Il y aura plusieurs façons de payer. Donc avec des crédits, des points FIFA ou alors des jetons qui tomberont dans les packs. Donc c'est un jeton bleu comme vous pourrez le voir dans les images que je vais vous montrer. Donc après avoir payé, on aura le choix d'une composition. Donc on aura le choix en différents. Donc on aura 5 différents choix. Donc de composition. Et donc ensuite on devra choisir les joueurs qui seront dans notre équipe. Et d'abord, on devra choisir notre capitaine, les amis. Donc, d'abord, on choisit le capitaine. Donc, sur l'image, ou alors la vidéo que je vais vous montrer, ce sera Messi. Donc, voilà. Après, les amis, ils vont nous demander de choisir. Faut pas que je dise de bêtises, moi. Il vous sera d'abord demandé votre capitaine. Voilà. Les choix, comme pour la composition d'équipe, donc on aura 5 choix de joueurs, du gardien à l'attaquant, et vous pourrez soit faire la meilleure équipe possible sur le papier, ou alors faire une équipe basée sur le collectif. Je vous conseille quand même de baser votre équipe sur le collectif, car d'après les échos, le collectif est très important dans ce mode de jeu. Donc c'est pas forcément la meilleure équipe sur le papier qui gagnera. Donc je vous conseille vraiment de baser votre foot draft, donc quand vous faites votre équipe, sur le collectif. Il y aura aussi un banc à votre disposition, soit vous pouvez faire le banc automatique ou alors vous pouvez prendre un par un si je dis pas de bêtises. Et donc il y aura aussi un entraîneur que vous devrez choisir aussi entre 1 et 5 joueurs, enfin, entraîneur. Quand tout est fini, vous aurez un bilan avec votre collectif, les 3 meilleurs joueurs de votre club. Donc je vais vous montrer, qui sera affiché en noir. Et donc il y aura 4 tours à passer, les amis. Donc ça, c'est vraiment bien ce que j'ai appris là. Donc il y aura 4 tours à passer. Plus on passe de tours, plus les cadeaux seront élevés. À chaque fin de match, on aura un pack ou des crédits. Un peu comme le mode FUT World Cup de FIFA 14 qu'on avait droit là, on avait droit à un pack gratuit avec un seul joueur là qu'on avait. Et donc ici ce sera à peu près pareil, je pense. Donc il faut savoir que même si vous êtes éliminé au premier tour, vous serez remboursé de votre mise de départ par des crédits ou des packs, on ne sait pas encore, ou autre chose, comme je l'ai écrit. Et si vous êtes forfait pour une raison ou une autre, si vous avez été déconnecté parce que votre box est éteinte, ou si vous êtes parti, je pense que ça marche aussi, vous aurez quand même votre pack ou alors vos crédits. Et plus on avance dans le tour, plus on remporte des gros lots. Donc ça, c'est plutôt pas mal, les amis. C'est vraiment plutôt pas mal, je trouve, que ce que EA a fait dans ce mode de FUT draft. Et donc les amis, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Donc j'espère que j'étais vraiment très très clair dans ce que je dis. Si je n'ai pas été clair, demandez-moi dans les commentaires et je vous répondrai directement dès que je vois le message. Donc les amis, j'espère que cette vidéo sur FUT 16, donc les nouveautés, vous auront plu. J'ai vraiment hâte que ce FUT 16 sorte pour pouvoir faire des vidéos dessus et pour pouvoir tester ce FUT draft. Et donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker si ça vous a aidé, et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo. C'était 404, prenez soin de vous, ciao ciao tout le monde, et à très bientôt.